de la 10e édition de l'Open Aix Provence Crédit Agricole. Je vous prie d'accueillir en premier le 17e mondial et tête de série numéro 1 de ce tournoi, l'américain Tommy Paul. Yeah.
3 minutes. Pour vous présenter ces deux immenses joueurs, sachez que celui qui est actuellement en fond de cours en bleu foncé est américain. Il aura 26 ans le 17 mai prochain. Il a été numéro 3 mondial déjà en junior. Il avait remporté le titre à Roland-Garros Junior en 2015. Il remporte son premier titre chez les seniors, c'était à Stockholm en 2021. Il sort tout en 2022, il fait une énorme saison avec 39 victoires, dont une victoire sur Rafael Nadal, alors numéro 2 mondial à Bercy, avec les quarts de finale du Master 1000. Une belle victoire sur Zverev, numéro 3 mondial à Indian Wells. Et également une victoire sur Alcaraz, numéro 4 mondial au Master 1000 au Canada, qui avait également atteint les quarts de finale. Également 8e de finaliste à Wimbledon. Il continue son ascension en 2023 en Grand Chelem puisqu'il atteint pour la toute première fois de sa carrière une demi-finale en Grand Chelem, c'était à l'Open d'Australie. Il atteint également cette année la finale à l'ATP 500 d'Acapulco. Et pour atteindre ici la finale de ce tournoi, il a été exempt du premier tour en tant que tête de série numéro 1. Il s'est imposé ensuite face à Geoffrey Blancano, en quart de finale face à Yoris Grodionov et enfin en demi-finale face au Belge David Goffin. Il n'a pas perdu un set du tournoi. Il est actuellement 17e mondial, c'est son meilleur classement en carrière. Il est tête de série numéro 1, Tommy Paul. Face à lui, vous le connaissez bien, il est à Glasgow en Écosse. Il aura 36 ans le 15 mai prochain. Et il gagne son tout premier Grand Chelem, c'était à l'US Open en 2012. Cette année-là, il était également médaillé d'or olympique chez lui à Londres. Il remporte en 2013 son premier titre chez lui à Wimbledon, donc un deuxième Grand Chelem. Et c'est en 2016 qu'il domine le tennis mondial avec une finale à l'Open d'Australie à Roland-Garros, un troisième titre à Wimbledon, une nouvelle médaille d'or olympique aux Jeux de Rio et surtout le titre au Masters Mito ATP Final de fin d'année. Il termine numéro 1 mondial. Il a 46 titres en carrière, 725 victoires. Il a fait partie du Big Four aux côtés de Nadal, Federer et Djokovic. Et pour atteindre la finale ici, il s'est imposé face à 4 Français, Gaël Monfils au premier tour, Laurent Locoli, Luca Van Haché et Harold Maillot. Et c'est un immense honneur de l'avoir eu ici à Aix-en-Provence toute la semaine, mesdames et messieurs, Andy Murray. Mesdames, Messieurs, cette finale se jouera en meilleur de 3 manches avec jeu décisif dans toutes les manches. Tommy Paul a gagné le tirage au sort et a choisi de relancer. Paul, one of those and just once. 30 secondes, David Seth. L'arbitre de cette finale est français, M. Arnaud Gabas. Première manche, recette. Au service Andy Murray. Très rapidement.
adjointe celle-ci.
Mon petit Kefting. Zero. 15 up.
Goldman 4 jeux à 0. Home game cela. Goldman 4 jeux 1, Goldman 3. Thank you.
15-0. 15-0. Thirty,
pour Opti50. Excellent.
second set of service. Thank you.
suivante, Love Thought. Berryman 2-0. James Tudor.
50-50. Hey Tommy. Thank you.
Le petit portier. Thank you.
rendre compte. Faut-il peut-être. L'objectif. Thank you.
15. Victime. Quinze trente. Victime shot. Yeah.
Mesdames, Messieurs, merci. Dernière manche. Par les 7 de service pro. Merci, Messieurs. Dans l'axe du cours, s'il vous plaît, Messieurs, qui êtes assis sur le rebond, s'il vous plaît, asseyez-vous correctement. Merci. Allez, Tommy. Dernière manche.
15-0. 15-0. Lieutenant. Round of 30, 15 and 30. Let's go. Thank you.
jeu 0. Tu viens tout. Thank you.
Marilyn Dujosin. Rapidement, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, merci. Let's go, Tommy. This one is for you. Come on, Tommy, come on. Asseyez-vous rapidement, mesdames, s'il vous plaît. Merci. Zéro. Le petit là.
15. 15. Thank you.
game for two. Four games to two.
0-15. Love 15.
Bon, 15. Allez, Tommy.
50-50.